Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Connaissez-vous l'effet domino? Il s'agit d'une réaction en chaîne qui peut se produire lorsqu'un changement mineur provoque un changement comparable à proximité, qui provoquera un autre changement similaire et ainsi de suite au cours d'une séquence linéaire. En reprenant cette définition et en y incorporant le coronavirus comme changement mineur, nous pouvons observer au niveau mondial la chute progressive de chaque domino. Si chaque pièce représentait un pan de la vie humaine, comme l'économie ou encore le social, nous voyons bien que le coronavirus a déclenché une série de modifications majeures sur tous les pans de la société. Bien plus qu'une réaction en chaîne, le coronavirus ne fait pas tomber pièce par pièce de manière similaire, mais attaque d'abord certains secteurs comme la santé puis l'économie, amplifiant d'autres symptômes prêts à éclater comme une bulle. Nous devons impérativement diriger notre conscience sur le jour d'après, qui sera différent d'hier, que nous le voulions ou non, et qui nous demande donc de nous préparer. La fin du confinement sonnera certainement la reprise du consumérisme, mais désolé de l'affirmer, il sera de nouveau interrompu par de nouvelles crises. Nous constatons que chaque année des événements majeurs se succèdent, qu'il s'agisse du climat, de la politique ou encore de l'économie. Les tensions contemporaines sur les ressources et la captation des richesses menacent quotidiennement la sécurité mondiale. Début avril, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale du Commerce mettaient en garde les gouvernants sur le risque d'une pénurie alimentaire mondiale. Il est intéressant de voir que l'histoire était déjà écrite, mais que personne ne souhaitait réellement lire le bouquin. Dès 1990, dans son premier rapport, le GIEC annonçait la possibilité d'une future crise alimentaire liée au changement climatique. Ils n'ont cessé de l'aborder jusqu'au rapport spécial de l'été 2019, où l'accent était justement porté sur la sécurité alimentaire. Cette menace est réelle et s'accentue au rythme frénétique de nos consommations, mais le facteur coronavirus amplifie ce premier facteur en coupant l'approvisionnement et augmentant de manière vertigineuse le gaspillage alimentaire. Vous avez dû voir passer des articles sur le foie gras, les truites, le vin et j'en passe, jetés car bloqués à l'export. La crainte d'un manque de denrées dans les pays provoque ces restrictions à l'exportation. Ces ruptures de chaîne démultipliées menacent le marché mondial en approvisionnement. Le GIEC mettait déjà en garde contre le premier impact de l'activité humaine sur l'alimentation. Quant au virus, je vous laisse fouiller sur YouTube et vous découvrirez Bill Gates nous parlant de la prochaine menace pour l'humanité. Cette conférence a été filmée en 2005. Et d'après vous, quel était le sujet? Les virus. Aujourd'hui, il investit des milliards dans la recherche et souhaite faire vacciner l'humanité. Tout semblait tellement prévisible. Attention, je n'inclus pas ici l'idée de complot que je réduis volontairement à l'évolution humaine dans sa survie, le dressant comme un animal prédateur et dominateur. Finalement, le complot ici n'est que cupidité et arrogance de quelques chefs de meute. Nous avons bel et bien fermé les yeux sur le monde pour mieux apprécier notre confort individuel, familial et amical, mais aujourd'hui c'est le monde qui s'invite chez nous par les inégalités que nous avons créées et par le piétinement quotidien que nous imposons à notre habitat. Le premier constat à retirer de cette future crise est l'autonomie alimentaire des territoires, sujet que vous retrouverez dans de nombreuses chroniques que j'ai pu réaliser. Bien sûr, à cette menace, il faut ajouter la menace économique qui, comme le dit très bien Naomi Klein, essayiste et réalisatrice de la stratégie du choc que vous retrouvez également sur YouTube, le même scénario qu'en 2008 se dessine. La finance joue, spécule, gagne et privatise ses profits. Par contre, lorsqu'elle perd, elle nationalise les pertes. Le coronavirus n'est qu'un déclencheur, l'instabilité financière est simplement due au manque de contrôle de nos gouvernants sur un moyen, et non une autorité morale comme l'est aujourd'hui devenu le marché financier.
Naomi Klein nous prévoit donc une période d'austérité bien plus sévère qu'en 2008. Rappelez-vous la Grèce aux abois, un taux de chômage à 27% chez les jeunes. Voilà la perspective de croissance européenne. J'avoue que je vous offre en ce début de semaine un portrait peu optimiste du monde si vous restez accroché au monde d'hier. Et nous sommes nombreux à attendre confinés la reprise de la normalité. Pourtant le contexte change, donc il n'y a plus de routine, de normalité, de futur établi, c'est l'inconnu. 11 mai, voilà la date sous-entendue du déconfinement progressif de l'économie. Pour la population, cela risque de prendre plus de temps. L'Organisation mondiale de la santé prônant pour les personnes âgées un confinement jusqu'à la fin de l'année. Je vous laisse juger de la pertinence de ces mesures qui, entre économie et santé, semblent très paradoxales. De la combinaison de ces annonces, qui nous l'avons bien compris seront adaptées au fur et à mesure, et l'impact psychologique du confinement, peut commencer à apparaître chez les individus des signes de dépression ou d'angoisse sans en connaître réellement la cause, mais en supposant que le contexte global d'illisibilité sur l'avenir y est pour quelque chose. La situation exceptionnelle et inhabituelle que nous vivons nous positionne en face d'un élément clé de l'évolution humaine, l'inconnu et la peur qu'il engendre, l'angoisse, la colère, la révolte, la tristesse ou encore pour certains, l'enthousiasme, l'énergie, le changement et la rencontre. Car l'inconnu suscite crainte, mais aussi envie de connaître, envie de savoir, ou bien encore envie de construire. L'inconnu a donc une double distinction. Il est à la fois celui qui échappe à notre connaissance, à notre entendement, mais il est également ce que nous n'avons pas encore vécu, ni en sensation, ni en impression, comme la mort par exemple, qui par les nombreuses interprétations que nous lui avons conférées au cours de l'humanité, a permis de construire un récit sécurisant et stabilisant. Nous voyons bien que l'inconnu nous renvoie donc directement à notre finitude, notre existence. De par le mystère qu'il dégage, il nous arrache de notre quotidien sécurisé quel qu'il soit pour nous balancer dans l'incertitude, l'angoisse, l'impossibilité de planification, l'impossibilité d'imaginer le lendemain. Nous avons au quotidien tendance à trouver des réponses aux inconnus qui frappent à nos portes. Prenons l'exemple du réchauffement climatique et de la croissance verte. Même si la réponse est inadéquate, elle satisfait le besoin de stabilité et de développement que constitue le temps disponible entre naissance et mort des humains décideurs et de leur génération. Nietzsche, le philosophe, nous en apprend un peu plus sur notre façon de répondre aux inconnus. Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu, cela soulage, rassure, satisfait et procure en outre un sentiment de puissance. Avec l'inconnu, c'est le danger, l'inquiétude, le souci qui apparaissent. Premier principe, n'importe quelle explication vaut mieux que pas d'explication du tout. Comme au fond il ne s'agit que d'un désir de se débarrasser d'explications angoissantes, on ne se montre pas très exigeant sur les moyens de les chasser. La première idée, par laquelle l'inconnu se révèle connu, fait tant de bien qu'on la tient pour vraie. La preuve du plaisir ou de l'efficacité comme critère de la vérité, ainsi, l'instinct de causalité est provoqué et excité par le sentiment de crainte. Aussi, souvent que possible, le pourquoi ne doit pas tant donner la cause pour elle-même qu'une certaine sorte de cause, une cause rassurante, qui délivre et soulage. Aujourd'hui, l'inconnu créé par la crise du coronavirus multiplie les récits, perturbant un peu plus la compréhension collective des événements. Entre ceux qui souhaitent le confinement, les masques, pas les masques, les scientifiques, pas les scientifiques, il est difficile de s'accorder à cette fameuse réponse dont Nietzsche parle, une réponse unique, valable pour tout le monde et permettant la stabilité. Cette crise du coronavirus est bien plus qu'une maladie de passage, c'est l'observation directe et fébrile des défaillances des États qui ne permettent pas de protéger leur population, ici, face à la maladie, mais demain, face à l'emploi, au logement, à l'inflation et à la précarité. Comme si l'ensemble des cartes avait été redistribué et qu'il n'y a plus d'équipe, mais simplement des joueurs individuels en compétition pour leur survie. Le grand risque est de ne plus se retrouver dans le récit collectif et surtout de ne pas réussir à savoir quelle direction et quel futur nous attend par la politique actuelle en place. Lorsqu'une population est confuse, sans véritable vision à suivre, elle peut être vulnérable. Hannah Arendt nous dit de cette population « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. »
Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes donc seuls face à nous-mêmes, dans un monde complètement perturbé à la recherche d'une sécurité nous permettant de retrouver le chemin d'un futur épanouissant. Stop. Relâchez et respirez. Première chose, accepter la vérité et ne plus se mettre d'œillères sur la décroissance mondiale en cours permet d'ouvrir de nouveaux horizons. L'après-confinement va provoquer la faillite d'un tiers des entreprises. Le modèle ne tient plus. Une fois encore, si le contexte change, nos entreprises doivent changer. Dans la perspective de ces effondrements consécutifs, et pour nous remonter le moral, arrêtons de nous concentrer sur les biens, mais plutôt sur les liens. Ce sont eux qui seront nécessaires lorsque la précarité s'installera. Comme vous pouvez le constater à travers le monde, ce qui posait problème auparavant ne l'est plus lorsqu'il s'agit de sauver l'économie. Nous voyons donc couler l'argent public à flot, destiné à tous les secteurs en souffrance, mais le monde de demain ne pourra se créer que si les entreprises sauvées du marasme économique changent leur stratégie de développement pour être en phase avec les accords de Paris et sortir des crises systémiques dans lesquelles elles sont enfermées. Sans cela, c'est reculer pour ne pas sauter. 20 milliards d'euros débloqués pour les entreprises polluantes sans aucune contrepartie, voilà à ce jour la proposition du gouvernement, l'ancien monde à la peau dure. Rappelons-nous que nous sommes tous dans la même galère et ce au niveau mondial, que l'onde de choc va être intense et qu'elle va mobiliser notre solidarité qui, elle, fait partie intégrante de la solution pour le monde de demain. Prenez soin de vous, retrouvez Sous la Canopée sur Facebook et Twitter et l'ensemble des émissions sur la chaîne YouTube de Monsieur Green. Excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Mais tu vois le Green, Green, absolument. Green, Green, Green.